Tu aimes et j'aime les belles femmes. Tu aimes aussi les belles femmes. Oui. Tu t'es pas encore marié? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Si vous posez cette question à Mike Flames, le PDRG du rap game togolais, s'il est marié ou s'il a des enfants, sûrement qu'il ne vous répondra pas. De passage chez Vicente à Talk Week, l'artiste évoque sur ses faits. Il répond qu'il a deux enfants et qu'il aime les belles femmes. Sans plus tarder, je vous laisse voir la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent Papa Dosugan. En fait, Dosugan, il y a toi, Jaho, il y en a le film. Dis-nous, est-ce que toi aussi tu as validé ce nom, Papa Dosugan? J'aime bien le nom. Ah, tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Donc, si les gens t'appellent en ville, oh, Papa Dosugan, on connaît alors, il a dit non, quoi. Yo. Tu qui viens? Ah ouais. Tu sais, j'aime travailler. Et j'aime pas travailler. Tu aimes travailler, mais tu n'aimes pas aussi travailler. Oui, c'est ce que j'aime travailler, oui. Gagner, mm-hmm. et faire la vie. Ah oui. Tu aimes et j'aime les belles femmes. Tu aimes aussi les belles femmes. Oui. Tu t'es pas encore marié? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Tu as Mais oui, j'ai deux filles. Mais je prie toujours, je demande à Dieu de me donner une femme. Il y a les belles filles, mais tu sais, c'est oui, c'est compliqué. Il faut une fille qui est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Tu vois, j'en ai trouvé. Hein, je suis en train d'analyser. Et pour le moment, tu vois, ouais, c'est ça. Mais sinon, Papa Dosugan, il aime les belles femmes. Et c'est ça. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes posent cette question, ton album, ça te fait quoi? C'est pas, ça devient pas chiant, tu dis, bon, mal d'album à toi, moi, je vous, quoi. Non, j'aime qu'on parle de moi. Ah oui. Je fais sortir l'album. Et quand? Il me faut du temps. Il te faut du temps, depuis oui. fort longtemps. Eh, tu sais, j'ai commencé l'album là, depuis 2004 avec OZP. Ah oui. On a avorté l'album. Ah oui. J'ai repris avec Kelly en 2007. On l'a avorté encore en 2010. On l'a avorté à... J'ai eu à signer avec Pamoba en 2015, donc 2014, après PDRG. Avec Pamoba, vous avez sorti un album. Ouais, le boss m'avait demandé de faire sortir mon album. J'étais en train de travailler là-dessus. Ricky était en train de travailler sur son album, de même que Ricky. Mais après, le boss, il dit, mais pourquoi ne pas faire un truc ensemble et faire sortir ça et vous allez gagner ensemble. Et c'était pour ça que mon album n'est pas sorti en 2015. Tu vois, on a fait sortir un truc commun, ensemble, qu'on a appelé Pamoba All-Stars, tu vois. Et après, on a encore commencé le boulot en 2016-17, où je devais faire sortir l'album et gagner moi-même. Et c'est quand il y a eu les trucs de politique dans le pays. Alors, il y avait un petit problème. Bien sûr. 2018-19. Je voulais lancer l'album, mais je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur l'élection et tout. Voilà. Juste après. Tu as beaucoup gagné également, puisque tu es un chanteur, on t'appelle pour des prestations. Oui, un peu. Tu vois. Mais après les élections encore, quand j'ai commencé par essayer, j'ai eu à choisir quelques sons pour lancer. C'est quand Covid est arrivé. Tu vois. Et la mort de mon père aussi. Ah ouais. Tu père vois. À son âme, papa. Justement. Alors aujourd'hui, et si je suis à le micro. Aujourd'hui, si tu dois sortir ton album, ça serait combien de titres? Je suis en train de penser. Il y a tellement de sons, mais. C'est 300 games. Non, ça va être entre 14 et 20. Ok. Oui. Tu sais, parce qu'il faut toujours mettre les choses à jour. Mm-hmm. J'ai eu à faire des sons que je n'ai pas sortis quand il fallait sortir ça. Alors, on a eu à annuler plusieurs sons pour reprendre d'autres. Ouais. La musique et le temps changent. Voilà.